nous en sommes, il est temps. Notre charte d'engagement et notre exemplarité doivent redonner la confiance aux électeurs de Besançon. Il faut que tout ce qui sera fait soit motivé par un état d'esprit d'ambition, de faire connaître cette ville, de telle façon à ce que vis-à-vis de l'extérieur, la ville ait une meilleure image et attire, qu'il y ait un pouvoir d'attraction. Parce que c'est, je crois, actuellement, le meilleur moyen pour une ville de se défendre sur le plan économique, et c'est pas facile, c'est l'attractivité de cette ville. Donc l'attractivité passe par une image de marque. Nous en serons, on n'est pas forcément avec l'attractivité, l'économie. Il y a un déficit aussi à ce niveau-là, c'est une ville qui est très attractive et qui donne envie d'y rester. Il faut absolument améliorer le dialogue avec les entreprises. Il faut les faire contribuer dans un climat de confiance aux grandes décisions. Politique et entreprise, nous devons travailler ensemble. À Besançon, il est temps. Il est temps que Besançon redevienne la capitale culturelle, nationale et internationale qu'elle se doit d'être. Besançon, il est temps. Je m'engage auprès de Jacques Bourterrin pour plus de justice sociale. De la vie de la plupart des Byzantins, la ville est de moins en moins sûre et le sentiment d'insécurité est de plus en plus prononcé. Il est temps de soutenir les commerçants et la fréquentation du centre-ville. Ce que je ressens, c'est que dans le cadre d'une fusion Bourgogne-Franche-Comté qui risque de se faire au fil des années qui viennent, eh bien, on passe en rang de sous-préfecture de Dijon. Autrement, il y a 10-15 ans, on pouvait comparer Besançon du sport avec Dijon. Aujourd'hui, on a pris un grand retard. Changer une image vieillissante de Besançon, c'est changer les personnes qui la représentent, c'est donner un nouveau souffle à l'économie locale, au développement des entreprises et aux investissements. Il est temps de se mobiliser avec l'équipe de Jacques Bourterrin. Il est temps de redonner du souffle à cette ville, il est temps de redonner une image de marque. Il est temps que le sport à Besançon retrouve sa vraie place et Jacques Bourterrin incarne ce nouveau souffle. Besançon, il est temps. Nous allons chanter ensemble la Marseillaise.